souffle, souffle. Chers bien-aimés en Dieu, chers sœurs et frères, bienvenue à l'instant biblique de l'Église protestante unie de la Somme. Je m'appelle Ludolf Pelliceus. Nous réfléchissons aujourd'hui sur un texte qui se trouve au Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, dans le 10e chapitre. Un des versets a été proposé le 27 mars comme texte de réflexion dans les textes et paroles 2023, et cela m'a motivé à choisir ce texte. Regardons-nous le texte de Matthieu. Je vous propose de lire avec vous le chapitre 10, les versets 5 à 13. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il se trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison étant digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. J'aimerais partager avec vous le verset 7. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Ce n'est pas un passage facile, même s'il semble de l'être au premier rang. Car Jésus parle de sa réalité dans son temps. Il parle du fait qu'il est là, qu'il fait des miracles, qu'il guérit. Si on déduit que le royaume des dieux est proche, cela ne peut pas étonner à l'époque, et cela aura paru plausible à ses contemporains. Mais 2000 ans plus tard, c'est plus difficile avec le proche, car trop de temps s'est déjà écoulé. On ne peut pas croire simplement à une proximité. De plus, ce texte a fait beaucoup de mal. Il suffit d'évoquer les croisades et le colonialisme, où on faisait référence à Matthieu 17 en réclamant qu'on va instaurer le royaume de Dieu. Mais déjà à l'époque, contrairement au courant dominant, il y avait des gens qui s'orientaient vers une longue durée. Le temps des croisades, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi le temps de Saint François d'Assise. Et le temps du colonialisme, c'est aussi le temps d'un projet pacifique, d'un temps nouveau au début du XVIe siècle adérien en Amérique du Sud. Mais certes, nous ne trouverons pas nulle part un projet qui a été réellement conduit au royaume de Dieu. Nous ne trouverons que des ébauches, des tentatives. Cela peut sembler peu. Mais d'un autre côté, ce monde est constamment menacé. Il a justement besoin en permanence de ouvriers de la vigne du Seigneur. C'est là que nous sommes appelés à nous engager. Ainsi, la proximité ne devient pas un mot vide
d'essence, mais elle est remplie de contenu, car nous pouvons transmettre au prochain, ici et maintenant, ce que constitue le royaume de Dieu. Une pensée de paix, une pensée de justice, une pensée réelle d'égalité chrétienne. Laissez-nous terminer cette réflexion avec la prière. Seigneur, ton royaume nous semble très lointain, très éloigné, presque inaccessible. Comment pouvons-nous le faire? Comment nous pouvons-nous l'attendre? Et surtout, quand viendra-t-il? Nous n'avons pas non plus de réponse à cela, mais seulement l'appel à travailler ensemble comme ouvriers de la maison de Dieu. S'engager ensemble pour la justice et la paix, même si nous savons bien que ce n'est qu'une étape vers ta paix, la paix divine. Mais pour cela, Seigneur, donnez-nous la force. Fortifie-nous en ce sens par ta proximité durant cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, amen. Avant de nous séparer, on va chanter le 14-09 « Cherchez d'abord le règne de Dieu ». J'ai d'abord découvert ce chant en Espagne dans les années 80. C'est l'un des chants qu'on trouve dans l'Alléluia en quatre langues, mais pas en espagnol. C'est pourquoi j'aimerais en citer brièvement la première ligne « Busca primero el reino de Dios ». Ici, justicia divina. Je vous remercie pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain instant biblique. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus.